seul véritable argument que vous avez contre ce que je dis. Il me semble que j'en ai utilisé quelques-uns là. Oui, enfin, qui ne me paraissent pas en rapport avec la réalité de ce qui se passe. Je n'espérais pas vous convaincre entièrement, à vous dire le vrai. Mais puisque vous voulez, vous êtes l'invité ici. Mais effectivement, j'ai dit aussi, mais je ne vous le reproche pas à vous. Vous avez des liens avec le Qatar, c'est votre droit le plus strict. Je ne sache pas que ce soit un délit. Personnellement. Non, mais ne cherchez pas à excuser ni à tempérer. Non, vous ne pouvez pas à la fois me défier et ne pas me laisser aller jusqu'au bout. Je vous défie parce que. Non. Parce que vous mettez en cause ces relations, permettez-moi d'y répondre. Mais je dis simplement que vous n'êtes peut-être pas totalement indépendant intellectuellement. Mais il m'étonnerait que dans les années à venir, je reçoive un prix et un chèque de l'ambassadeur du Qatar à Paris. Ça m'étonnerait, vous voyez, c'est ce qui vous est arrivé à vous.